Nous prenons la commune Pétionville et puis une fois qu'on est magistrat commune Pétionville la Dominique Saint-Roch posé mardi 5 juin en première roche construction bâtiment cap plongé sapeur-pompier dans la commune là. C'est Moni Sarat et déroulé en présence député Pétionville la directeur Dieu Joseph Pierre Richard du plan de guide délégué départemental l'Ouest là, Kazek Azekio qui sortit dans diverses sections communales en dans commune Sila. Reportage Rodney d'Orléac, Henri Robert. C'est dans l'ancien espace cimetière Pétionville, cette opération urgence a bien pour loger. $1,300,000 américains, c'est quantité l'argent mairie a besoin pour réalisation projet ça. Dans ça, magistrat Pétionville, Dominique Saint-Roch, mandé concours l'État central, une façon pour y mettre campé bâtiment ça. Donc nous engageons pour nous faire tout effort et pour que nous soyons capables de jouer ça, pour que d'ici l'année prochaine, que nous soyons capables réellement et finir avec et nous gagner coup nous, pour que effectivement, depuis qu'il y a des désastres naturels ou autres événements, pour que c'est ici que le siège central est capable. Nous lançons un appel vers le pouvoir central pour nous qui sont capables de jouer. Nous espérons que les citoyens Pétionville qui sont concerné par ça et ils sont capables de collaborer pour permettre que nous joignions moyens pour que nous capables de faire. Mais nous avons ensemble de mécanismes. Déjà, nous avons un concessionnaire automobile qui est capable de nous en partie dans l'achat, dans l'acquisition de voiture. Donc, très prochainement, nous allons organiser un RAF et nous allons vendre billets pour que nous commencions à rentrer fonds qui pourraient permettre que au moins base là, réservoir là, parce que là, il faut que nous ayons un réservoir au moins de 20 000 gallons. Délégué départemental l'Ouest là, Joseph Pierre Richard Duplan, qui était présent à l'occasion, félicité Méria pour le projet ça, pendant encourager les contribuables à continuer à payer impôts pour permettre Méria de remplir la fonction comme ça doit. Et en tant que ancien maire, vous comprenez l'importance et ça qu'a réalisé aujourd'hui. Si ça fait toujours encourager tout le maire dans la commune l'Ouest là, pour faire effort ça. Parce que ce n'est pas facile et nous encourager la population et contribuables pour payer les taxes, suivre la mairie, aider la mairie. Parce que c'est comme ça qui entraîne dans la mairie, qui permet que la réalisation du projet soit faite pour la population service. Pour souvent, on demande des magistrats de faire ceci, faire cela, mais nous ne payons pas les taxes. Et je pense que ça, c'est important que la population comprenne que le pays taxe en fait, c'est ça que nous jouons en retour. Et c'est ça que la mairie Pétionville lance. N'a pas encouragé et n'a pas encouragé toute l'autre mairie de façon qu'on a fait ça pour camper, pour faire et grosseur bâtiment ça qui est supposé faire dans là pour la population service. Cérémonie ça, c'est l'occasion tout pour magistrat remettre certificat, plaque honneur avec mairie, bâtir plusieurs sapeurs-pompiers pour y surprendre dans le cadre de travail. Nous parlons dans la commune Cité Soleil, mairie Cité Soleil a recevoir lundi 4 juin passé à un camion dans le commissionnaire district. Dans le discours de circonstance, magistrat principal de la commune Cité Soleil, Jean-Yves Saint-Frédéric, avec le ministre Aïssé Cap vivant dans le pays étranger, Guy-André Junior François, ont profité de remercier Keon Arden pour geste Silla et puis souhaiter amitié au continuer de faire une façon pour permettre plus de développement social et arriver dans la communauté. On n'a pas envie de suivre. Aujourd'hui, c'est un gros jour pour la commune Cité Soleil, pour que nous chita là devant Tabza, jeudi, qui c'est 4 juin 2018. Avec un pile contentement, et contentement ça aller dans la quantité niveau population Cité Soleil là, pour nous montrer face avec Mounsayo qui est ensemble avec nous. Monsieur Kemon Andermon, Madame Merlin, Consilman Alix Fizeme, qui permettent Jodia, Cité Soleil, bénéficier d'un gros camion qui pourra aider la population Cité Soleil dans la question de gestion des déchets. Donc ce n'est pas un bagage qui était facile. C'était des discussions que nous avons faites, ça fait pas mal de temps. Mais, il y a un proverbe qui dit, plutôt de miser dans la route, nous avons des bonnes nouvelles. Je dis à la population Cité Soleil, là, nous allons recevoir un gros camion qui va permettre que nous allons marcher avec les gens aujourd'hui pour que nous allons prendre le fatra ou la caillou au lieu que nous quittions et venions assembler devant la rue. Et nous connaissons un seul pas suffit. 20 patates trop tout.
Mais n'a commencé par une pour nous arriver dans la quantité de besoin. Gros potori garçon ça, qui est le commissionnaire Kian Hodman, qui c'est un américain. Il n'est pas haïtien, mais c'est comme s'il était haïtien. Parce que la zone côté lié lui, c'est zone ça. Il y a une zone qui est Little Haiti. Qu'est-ce que nous comptons parler de Little Haiti? C'est Haïti. Eh bien, c'est là que le commissionnaire Hodman est élu. Et nous avons dit qu'en plus de camions que l'Ibaï là, chaque troisième vendredi du mois, des activités que le mettait pour la communauté haïtienne. Il y a un rara l'autre bois qui est rara la caille, qui s'est affaire par nous. Au moment que le commissionnaire a quitté sorti, il prend dit qu'on a un rara le tout, quand on est là, même s'il ne parle pas l'anglais. Donc, même s'il ne parle pas les créoles. Donc, moi, comme commissionnaire depuis longtemps, je dis merci. Encore une fois, son bon ami Haïti. Et c'est grâce à lui que non-Little Haïti a été légal en 2016, il y a deux ans de ça. Parce que non-Haïti était là, mais il n'est pas déjà légalisé. Donc c'est grâce avec le commissionnaire que finalement non-Little Haïti a légalisé. Et c'est là toujours dans la cabane pour matin, mais juste avant nous aller dans le tableau, nous avons un point qui était fait essentiel. Mardi 5 juin a marqué Journée internationale environnement. À l'occasion, le ministre de l'Environnement Pierre Simon Georges a annoncé un sommet midi pour capable de revoiser le pays. Première dame de la République Lamartine Moïse remet coupon bail plusieurs moments à Yamadia dans l'École nationale République États-Unis qui trouvait un bois patate pour être capable de bénéficier du programme Timaman Chérie. Ministère Travaux publics, Transport et Communication lancé lundi passé à travail bétonnage, asphaltage, élargissement route dans le département de l'Ouest. Activité s'est faite dans plusieurs communes dans le pays, dans le cadre des caravanes changement. Activité volcanique dans le pays Guatemala continue à augmenter jusqu'à Yemadia. Autorité obligée de déplacer environ habitants dans environ 7 villages qui trouvaient dans zone volcan. Toutefois, bilan continue à augmenter. C'est ensemble pour savoir que pilote qui te fait essentiel le journal pour jeudi mercredi. On a pas souhaité passer une très bonne journée de mercredi. Mais surtout, restez bien chez nous pour suivre avec ces formations. Très bonne journée à tous.